You cling to your pay, birds and bears. Wait until you like me again. Wait for your love. What the hell? Ça me saoule, j'en ai marre, je suis fatigué. Aussi de pas avoir à se lisser les cheveux tous les matins, genre tu te lèves, c'est bien, pouvoir les laisser un peu respirer, les laisser au naturel aussi, c'est agréable. Là faut vraiment que je passe chez le coiffeur hein, parce que ça devient plus possible. Hello tout le monde, c'est Nathan, j'espère que vous allez tous être très très bien, pour ma part ça va super bien. Je suis trop trop content vraiment de pouvoir reprendre cette petite série parce que c'est une série que j'avais adoré vous proposer il y a 2 ans. Ouais, c'était il y a 2 ans. Je suis super content de l'avoir commencé aussi cette série parce que du coup ça me permet aussi de voir comment je faisais pour reprendre goût à la vie, reprendre goût aux petits plaisirs de la vie aussi, toutes les choses que j'aimais avant ma grosse phase de dépression. Aujourd'hui je la reprends du coup, donc vous vous doutez bien qu'il s'est passé quelque chose et je pense que vous en avez un peu plus vu dans le petit teaser que j'ai sorti mardi. Mais là, je voulais un peu qu'on se pose, vous et moi, que je vous parle un petit peu plus en détail, sans trop divaguer à rentrer dans les détails, parce que j'ai pas envie que ce soit trop long et chiant à écouter. Je vais tâcher de faire le plus simple et bref possible. Donc, si vous ne le saviez toujours pas encore, j'ai commencé un service civique en novembre. Donc, j'étais super content de l'avoir eu parce que c'était aussi une manière pour moi de me prouver à moi-même que j'étais capable de reprendre un rythme, que j'étais capable de m'engager dans quelque chose, de tenir mes engagements. J'étais vraiment super content d'avoir repris de l'activité en quelque sorte. Mon service civique jusqu'à présent se passait très très bien. Enfin, mon équipe est juste géniale et je suis super content d'être tombée dans une équipe aussi géniale que celle que j'ai. Et je tiens à préciser d'ailleurs que en aucun cas ce que je vais parler ne les concerne. Vraiment, ils sont. Le problème ne vient pas absolument pas d'eux, c'est vraiment juste moi personnellement, je tiens vraiment à le préciser parce que on pourrait penser que c'est par rapport à quelqu'un dans mon équipe ou etc, mais ça n'a vraiment rien à voir avec ça. Donc mon service civique se passait très bien jusqu'à présent et arrive la période janvier mi-mars où en fait pendant cette période là on doit faire remplir des questionnaires à des enfants, enfin des enfants et des ados en fait, et on avait un minimum de 200 questionnaires à faire remplir. Donc vous vous doutez bien qu'il fallait pas traîner quoi, fallait vraiment envoyer le pâté. Un claquement de doigts, le rythme s'est intensifié pour ma part en tout cas, enfin vraiment pour moi c'est devenu très intense mais d'un coup. Des fois on devait se lever plus tôt que d'habitude le matin pour aller dans des collèges et du coup nos journées se rallongeaient. On finissait très souvent à 18h, donc ça veut dire que moi je rentrais pas avant 18h30, enfin ça me rappelait beaucoup le lycée en fait. Ce qui déjà faisait que j'aimais pas le lycée, c'est finir à 18h. Donc là, il y avait ça qui revenait, j'étais bon. Ouais, ok. Enfin, ça devenait vraiment très intense. On allait beaucoup à gauche et à droite, on allait dans plein d'écoles différentes, le midi et le soir. On faisait beaucoup de choses les semaines. Et puis en plus, il y avait des choses en plus qui se rajoutaient, autres événements auxquels on devait aller, etc. Enfin, c'était vraiment devenu très intense pour moi. Parce que, en plus, comme vous savez, je fais de la danse le week-end. Donc, en fait, dans la semaine, j'ai vraiment aucun moment pour vraiment souffler. Enfin,
un jour dans la semaine, mais un jour, ça passe vite, quoi. Pendant 2 mois, là, on a vraiment fait que ça. Et je sentais que vraiment, plus les semaines avançaient, plus ça devenait compliqué. Enfin, je sentais vraiment que ce rythme-là commençait à peser sur mes petites épaules. Je sais que pour beaucoup, on pouvait vous dire, c'est qu'un service civique, c'est un contrat de 24 heures, enfin, c'est pas grand-chose. Mais pour moi, mon ressenti, je sentais vraiment que ça commençait à faire beaucoup, quoi. Et donc, du coup, arrive ma semaine de vacances février-mars, parce qu'à chaque fois, moi, j'ai la deuxième semaine des vacances scolaires. Et donc, pendant cette semaine-là, j'avais espoir de me dire, si je vais pouvoir me reposer, je vais pouvoir prendre soin de moi pour pouvoir bien rattaquer à fond et à bloc en mars. Sauf que, comme vous l'avez vu dans mon vlog Days in My Life, j'ai vu de la famille, je suis allée en bord de mer, j'ai vu des amis. Vraiment, c'était l'un des meilleurs anniversaires que j'ai pu faire. Vraiment, ces 3 jours, c'était incroyable. Les amis, si vous passez par là, mon petit club Nachos, je vous adore. Vraiment, on fait ça quand vous voulez. Ça m'a vraiment fait du bien aussi, même si je me suis pas reposée, ça m'a quand même fait vraiment du bien d'être loin du travail, d'être loin de ces fameux questionnaires, d'être loin de ce rythme qui était devenu très intense pour moi. Et malheureusement pour moi, en fait, je sentais vraiment que plus la date de la reprise approchait, plus j'avais le stress qui montait et plus je me sentais de moins en moins bien, on va dire. Donc arrive le dimanche soir et vraiment là je me sens pas bien du tout. Enfin, pour faire assez simple et pour passer vite fait au point important, je me suis effondrée dans les bras de ma maman en faisant une crise d'angoisse en plus. Enfin vraiment, quand je vous dis que j'ai chialé. Les chutes de Niagara, elles ont peur pour leur carrière. C'était une soirée qui était très très compliquée. Surtout qu'en plus, du coup, le lendemain, je devais aller au travail. Donc, je vous dis que mes yeux, j'avais l'impression qu'ils étaient gonflés. Genre, j'avais fait une réaction allergique à je sais pas quoi. Ou que je m'étais fait piquer par un insecte, j'en sais rien. La semaine de la reprise a été très, très, très compliquée. Enfin, vraiment, j'avais l'impression de revenir petit à petit à mon mois du collège, du lycée. Ce qui n'est pas une bonne chose à dire, je vous le dis tout de suite. Enfin, si vous vous rappelez un peu de ma période du lycée, qui était, je crois que c'était pendant la saison 2 de la rentrée des vlogs. Alors, c'était la saison 3. Je m'en rappelle plus. Non, c'est la saison 2. Ouais, voilà. Vous avez bien compris, vous avez bien vu que le lycée, c'était invisible pour moi. Et bah là, petit à petit, en fait, plus les jours et les semaines passaient, plus ça redevenait ça, en fait. J'avais plus de motivation, j'avais plus d'énergie, vraiment, j'étais KO. Mais pas parce que je dormais pas assez. Soit je faisais des nuits de 8 heures en général, donc voilà, c'est des nuits qui sont normales. C'était vraiment de la fatigue mentale, en quelque sorte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'étais très fatiguée dans ce sens-là. La moindre chose me démotivait, mais comme si je tombais de genre 40 étages. C'est tout un tas de choses que je ressentais, que j'avais pas ressenti depuis plus de 2 ans maintenant. Et le fait que ça revienne, ça m'a vraiment fait bizarre, parce que du coup, ça m'a vraiment renvoyé à cette période-là de ma vie. Et je pensais pas me ressentir comme ça d'aussitôt, en fait, voire même pas du tout. Enfin, les jours, les semaines ont passé, vraiment, je disais ma mère, vraiment, maman, j'en peux plus, en fait. C'est quand que ça s'arrête, je n'en peux plus. Je vais pas tenir longtemps. Vraiment, là, cette fois-ci, je voulais certainement pas finir comme j'avais fini au lycée. Je voulais pas attendre que ce soit trop tard, au point de ne plus arriver à sortir de chez moi. Donc, j'ai essayé de mettre des stops le plus vite possible. C'est vrai que j'ai de la chance d'avoir des parents très, très compréhensifs et je les en remercie énormément pour ça. Ou après plusieurs discussions avec ma maman et plusieurs sessions pleurs pour ma part, on est allé voir ma responsable la semaine dernière, un jeudi matin, pour lui parler un peu de la situation et lui dire que là, j'avais vraiment besoin de souffler, en fait. Elle m'a très gentiment accordé un mois d'arrêt de travail. Ce qui explique pourquoi je suis devenue plus active tout d'un coup, comme ça, sur autant sur Instagram que sur YouTube. Pendant ce mois-là, j'ai vraiment envie de raviver un peu cette motivation et de prendre soin de moi, tout d'abord, voilà, parce que les petites phases de rechute, de dépression, etc., c'est intense quand même. Enfin, pour ma part, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours été intense quand même. J'ai vraiment envie, pendant ce mois, d'essayer de me consacrer le plus possible à tout ce qui est YouTube, Instagram, réseau, etc., parce que c'est toujours quelque chose que j'ai... Pardon. C'est toujours quelque chose que j'ai adoré faire et je me suis dit, autant explorer toutes les pistes, ma foi. J'ai la possibilité de le faire, donc je vais essayer, quoi. Voilà, c'était un bref résumé un peu des derniers mois qui se sont écoulés et c'est la raison principale pour laquelle je reprends la série Cher Journal. J'espère que j'aurais pas été trop longue, ça aura pas été trop chiant. C'est juste que ça me semblait important de vous dire tout ça et de vous en parler à cœur ouvert. Thank you.
bientôt 16h30. Là, ma vidéo s'est postée il y a du coup un peu moins d'une demi-heure. Voilà, j'ai eu des petits retours, des petits commentaires de mes amis. Vraiment, trop adorable, je vous adore. Moi, je vous souhaite à tous et à toutes d'avoir des amis comme eux, parce qu'ils sont juste géniaux. Sinon, il pleut. Je sais pas si vous allez voir, mais en tout cas, je vous le dis, il pleut. Genre, c'est génial. J'aime trop quand il y a de la petite pluie, comme ça fait un petit bruit super sympa et j'adore. Par contre, quand je suis dehors, la pluie, j'aime moins. Mais là, comme ça, j'aime bien. Je vais pas tarder à aller faire mon goûter, du coup, aussi. Ma mère, elle m'a acheté des chaussons au pain pour goûter. Ah, aussi, j'ai très hâte de les dévorer, parce qu'il y en a deux, donc je pense que je vais manger les deux, mais bon, on verra bien. Comme vous avez pu le voir aussi, j'ai fait une petite séquence de montage ce matin aussi. J'ai tout monté de ce que j'ai filmé de ce matin, donc ça, c'est très bien. J'ai aussi préparé mon prochain Dance Cover que je vais poster demain à 10h, qui sortira demain à 10h. Donc ça, pareil, c'est tout fait. Comment j'adore, je suis productif là, j'aime beaucoup. Je m'étais jamais autant consacré genre à fond à tout ce qui était réseau YouTube, etc. Mais vraiment, j'adore. Je vais faire mon goûter et puis ma foi, peut-être qu'on se retrouvera après. Je ne sais pas trop. On verra bien. Nous nous retrouvons quelques temps après mon goûter. J'ai dégainé la Switch. Voilà, on va jouer à Animal Crossing. Là, je vais aller jouer au Animal Crossing avec ma bestie que vous connaissez bien maintenant. Mais ça fait très longtemps que j'y ai pas joué. Et ça me manque, honnêtement, parce que vraiment Animal Crossing, c'est un jeu que j'adore. Du coup, vu que je vais être en appel sur mon téléphone, on va passer à la tablette. Voilà, j'ai dégainé la tablette aussi. Mais ça va être sympathique. Je pense que je vais finir un peu deux, trois petites choses pour le vlog. C'est parti pour jouer Animal Crossing. Comment ça va, bestie? Ça va être bestie? Ça va. Ouais. Moi, je vais Animal Crossing. Ça fait tellement longtemps, purée. Bah, moi, techniquement, je me suis rendu aujourd'hui, hein. Ah ouais? Bon, du coup, est-ce que on fait notre petit achat ou... Bah oui. Est-ce qu'on va aller sur des îles au trésor? Je sais que c'est pas très égal, mais bon. Ça va, 4 euros, ça va. On va charger la carte. Oui, oui, parce que je... Oui, on va la changer. Bon, ça, par contre, vous pouvez pas regarder. Pas la bonne. Confidentiel. À la recherche d'un habitant. J'espère que ça va pas être trop long. Bon, il faut que je vide mes poches. Je vais les éviter sur la plage. Parce que bah, moi, c'est à la plage. What the hell, c'est de l'élu charlée. Oh, il y a des petites cerises. J'ai pas de cerises. Coucou, c'est Nathan en montage. Oui, je sais, c'est un plan très magnifique que vous avez dans vos yeux ébahis. Je viens juste me rendre compte en fait que. Ça se voit que j'ai pas joué depuis un moment parce que là, j'y viens de dire que... Oh, c'est trop mignon, il y a des petites cerises. J'ai pas de cerises sur mon île. C'est littéralement mon fruit de base. Genre, il y a des cerises de partout sur mon île. Genre, il y a que ça. Voilà. Bonne continuation. C'est un lapin. Est-ce qu'il est beau, le lapin, ou est-ce qu'il fait peur? Ouh là, je vois du bleu fluo. Là, ça me vient à la tête. Ah, il fait peur, le lapin. Iou. Allez, s'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. Là, il y en a plein, là. Ah, on fait demi-tour. Mais arrêtez de me foutre des oiseaux, j'en veux pas. Purée. Je commence à me désespérer, là. Je dois utiliser mais tous mes tickets, là, ça va pas le faire. Allez, Momo, on recommence. Ce n'est pas un partenariat, je précise, mais c'est deux produits de chez Yves Rocher, nettoyant et désincrustant anti-point noir pure menthe, voilà. L'hydra végétal, donc c'est un gel crème hydratation non-stop 48 heures pour les peaux normales et mixtes. Je mets d'abord ça pour un peu nettoyer la peau en
profondeur, je crois. Nettoie, exfolie et purifie la peau en douceur sans la dessécher. Les deux, c'est appliqué le matin et le soir. C'est pour ça que vous me voyez les appliquer très souvent sur un visage humide. Et après, bah, ça, c'est pareil à mettre juste après, en fait. Là, je sors de la douche, c'est pile poil le bon moment. Une semaine que j'utilise ces deux produits là, donc matin et soir. Ça avait une fois, je crois, de pas le faire le soir, mais parce que c'était un peu tard et j'étais très fatiguée, donc je me suis dit bah tant pis. Puis en plus, j'avais danse le lendemain, donc je préférais ne pas mettre de produits sur ma peau, je préférais attendre la fin de la journée. Mais je vois déjà beaucoup d'amélioration, surtout au niveau de mon nez, parce que c'est vraiment là où il y a plein de points noirs et d'imperfections. Et par exemple, avant sur les côtés, j'avais vraiment, on avait l'impression que c'était la peau morte qui s'enlevait. Et là, j'ai vraiment plus grand chose, à part des petites traces, mais j'ai vraiment plus rien du tout. Les rougeurs aussi, j'ai remarqué sur les joues, commencent à disparaître un petit peu aussi. Et ma peau est beaucoup plus douce au fur et à mesure des jours. Donc voilà, moi je vous les recommande. Je n'ai pas l'air spécialiste non plus. Et encore une fois, je ne suis pas rémunérée pour vous en parler, je ne suis pas sponsorisée ou quoi que ce soit. Depuis que je suis en arrêt de travail, je prends vraiment du plaisir à prendre soin de ma petite peau, parce que ça fait un moment que, bah, que j'ai retrouvé des produits qui sont pas trop compliqués à mettre, qui me prennent pas trop de temps. Avant, c'était ça en fait le truc, c'est que fallait que j'y pense tout le temps, sauf que bah, je faisais d'autres choses en même temps, du coup bah, ça j'oubliais, je le faisais jamais en fait. Vous avez déjà vu à travers mes vidéos que une fois de temps en temps, une fois tous les deux mois, j'avais un petit segment skincare qui arrivait dans mes vidéos, mais ça durait jamais longtemps quoi. Ça fait aussi partie des petits plaisirs que j'arrive à retrouver. Je suis tout beau, tout propre, prêt, tout prêt à aller dormir. Voilà. Le combo douche plus skincare, c'est incroyable. Et bien voilà, c'est ainsi que cet épisode va se finir. J'espère que ça vous aura plu et j'espère que vous avez bien apprécié monsieur tout au long de cet épisode. Encore une fois, je suis trop contente de pouvoir reprendre cette série. Même si à la base, je reprends cette série parce que j'ai une période compliquée. Mais ça me fait toujours plaisir de documenter ces passages de ma vie là où je me reprends en main en quelque sorte et je me dis ça peut toujours aider les personnes à travers l'écran, je ne sais pas, qui traverseraient peut-être une période un peu compliquée. Redonner un peu de l'espoir, ça peut toujours être bien. N'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter et à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et puis bah sur ce, on se dit normalement à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Je vous fais plein de gros bisous, et puis on se dit à très vite. Bisous.